Ce soir, nous avons voulu organiser une petite soirée en l'honneur des sponsors afin de les remercier de nous avoir soutenus durant toute la saison. Par la même occasion, nous profitons pour remettre une trophée aux joueurs parce qu'ils ont fait une bonne saison. Nous tenons à les remercier parce que nous sommes finalistes en Coupe du Conseil régional, finalistes en Coupe du Conseil régional. Et nous étions au play-off. Pour moi, ça a été notre meilleure saison depuis que je joue à la Roger Senior. À domicile, on a eu une seule défaite. On s'entendait bien, il y avait l'esprit d'équipe. Ce soir, nous sommes là pour, je dirais, une soirée de récompense. Soirée qui, manifestement, aujourd'hui, doit être autour des joueurs, des sponsors, et les gens qui nous accompagnent. C'est une soirée, en fait, de prestige quelque part pour les sponsors qui nous ont accompagnés. Vous les avez derrière moi, qui nous ont accompagnés pendant toute une saison. Et nous savons aujourd'hui la difficulté qui réside aujourd'hui pour pouvoir, récupérer des sponsors. Donc, pour ceux qui sont là, pour ceux qui nous accompagnent, c'est une très belle chose. La Roger aussi, c'est également le formidable, je dirais, objectif que nous avons réussi avec l'équipe de foot qui sort de la PHR. On termine dans les trois premiers, donc on accède à la division d'honneur. La Roger aujourd'hui à Basse-Terre, c'est un esprit, c'est un corps, c'est une famille. Nous avons pu former cette belle ossature aujourd'hui qui va pouvoir, j'espère, très longtemps marquer le sport sur le territoire basse-terrien. Et c'est pour cela aujourd'hui, je dis, le sport aujourd'hui n'est pas une affaire uniquement de la ville de Grosbert, c'est aussi dans un espace communautaire aujourd'hui. Et nous devons aussi, à travers cet espace communautaire, accompagner les différentes associations.